Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nantucket. Le massacre continue. Alors je reprécise, hein, chasser les baleines c'est mal, mais ce n'est qu'un jeu. Donc je ne fais pas l'apologie de la chasse à la baleine, mais ça n'empêche que les mécaniques de jeu sont fort sympathiques, parce qu'il y a vraiment quand même beaucoup de possibilités, surtout dans le côté, je trouve, d'upgrade de ces bateaux, avoir plus d'équipage et tout. Le début du jeu a ce côté un peu frustrant, qu'on n'a vraiment que 3 membres d'équipage, qu'on est, mais c'est juste de se démerder comme on peut. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très sympa. Viens voir. Donc on a 50 espaces. Viens voir. On va continuer à chasser. On a encore un mois à peu près devant nous. Peut-être qu'on pourra le faire deux fois. Je pense. Donc on va continuer avec... à faire gagner de l'XP à Salvador. Luis, Gabriel et Salvador. Parfait. Donc... Ouh, on en a une grosse à nouveau. Viens voir. Donc là, on a du crafting. Ça, c'est bien. Alors 16. On va tuer tout de suite celle-ci. Gabriel qui prend encore plein la face. Il faudra que j'augmente d'ailleurs ma capacité à soigner, je pense. Alors, on peut peut-être se protéger pour éviter que quelqu'un tombe à l'eau. Ou alors, ouais, non, on va plutôt commencer à faire du dégât. Je pense qu'il vaut mieux parce que comme ça, en plus, on pourra le finir. En plus. Bah non, je pourrais pas au prochain tour parce qu'il sera immergé. Mais lui, s'il est à l'eau, c'est pas trop grave. Au moins, comme ça, elle va subir le saignement sous-marin. Donc ça, je peux pas le faire, malheureusement. Donc on va juste continuer. Donc on va se faire attaquer, voilà. 10 points de vie en un coup quand même. Donc ce tour-ci, on devrait pouvoir l'éliminer. Yes. Voilà. Deuxième harponnage aura suffi. On fait le plein de graisse. Et on va faire le plein aussi de nourriture et on changera après. Alors juste, Gabriel a pris un petit peu cher. Je vais pas le mettre ici. On va me laisser à moi... Voilà, alors j'ai 0 de sailing quand même, il va falloir faire gaffe. Continuons à chasser. Non. Perdez du moral, je m'en fous, je veux pas que vous preniez un trait négatif. Ok, c'est reparti. On va voir ce qu'il a repris. Il a repris un peu de PV, mais je pense qu'on va plutôt y aller nous à la place. Avec Salvador. Donc, ok, c'est le même combat que précédemment. Moins 2 et foutage à l'eau. Voyons voir. Je peux effectivement éliminer la petite. On va faire. Merde. C'est pas cool. Ouch. Ok. On ne peut pas cibler les créatures. Oui. Ah, a priori, c'était leur commande que je ne pouvais pas cibler. On peut peut-être essayer un soin au pire. Bon, ben, Lucas, voilà. On peut se soigner au prochain tour, ça serait bien. Comme ça, de toute façon, elle va mourir au prochain tour. À cause du saignement. Allez, soigne-toi toi-même. Ça sera fait. Ni à l'eau, c'est pas grave. Toi, tu meurs. Voilà. Nickel. Nickel. Donc on a encore un peu de marge. Je pense qu'on va en chasser encore une dernière. Gabriel, il est à 24 sur 28. Bon bah allez, c'est parti. Les derniers utilisés, allez. On va juste... le dé de science au pire avec lui. Ok, alors je peux tuer la celle que je veux, donc on va faire plutôt ça là en premier. Ok, rien de grave, on augmente nos dégâts. Ah yes, c'est bon, donc on va éliminer celle-ci. Et alors, bah dernière, on devrait pouvoir l'éliminer je pense. Alors non, on est qu'à 13. Je pense qu'on va, on va se soigner un petit coup parce qu'on a les dégâts qui ont été réduits. Ok, comme ça on est au max de PV et maintenant on devrait pouvoir la finir je pense. Voilà, nickel.
Et c'est terminé. Alors oui, on va faire de la place par contre. On va pas avoir beaucoup d'eau si on veut... Ouais, ça va être un petit peu juste. Voilà. Comme ça, on peut revenir là. On a 9 jours devant nous et ça suffit par rapport à nos réserves. Tant que je perds pas sur la route. Nickel. Allez, 1700 de plus. Combien de thunes actuellement? 1800, superbe. On va remonter à Nantucket ou alors sur la route, peut-être qu'on va faire le... Pas de nouveau job ici. On est quoi? Ben on est le 12 mars. Donc vu qu'on est le 12 mars, je crois que ça se termine le 23 de toute façon, donc à mon avis. On va voir c'est quoi, c'est le 19 mars. Ouais non, on n'aura pas le temps parce que c'est à 10 jours de distance. Donc on peut très bien aller faire ça sur la route par contre. Et après on va remonter à Nantucket. Ah, Gabriel est devenu drôle. Un bon moral. Merde. J'en ai deux qui risquent d'avoir... Non, c'est bon. Ok, ils sont juste fatigués. Très bien. Alors, non, on va juste faire le switch ici parce que je veux quand même avoir un Gabriel en tant que quarterdeck. Pas mieux. Ok, donc on va aller visiter le truc dont il nous a parlé. Alors, c'était quoi? Ah oui, c'était pour la lance. On visite. On a un rendez-vous officiel avec le cousin de l'empereur. Pour 300... Bon, pour 300, je peux... Ouais, j'ai pas... Voyons voir, il fallait quoi pour ça? J'ai pas assez de prestige et j'ai pas assez de gros. D'accord, bon bah 300, on les a. Ok. Ok, je vais parler avec le mec. Je cherche la lance de Kaikili 2. Ah, donc apparemment, il faut aller dans la mer. Ok, bon, bah, on va pas... on va remonter à Nantucket, nous. On a notre upgrade qui est prête. Par contre, on va passer en plein dans cette zone de pirates, là. Ça me branche pas énormément. Surtout qu'en plus, on est ralenti. Bon, ça va, ça a l'air d'être bon. Waouh, c'est dangereux par ici. Il perd un peu de morale ou il devient drôle. Yes, c'est tant mieux. Voilà. Alors, juste qu'est-ce que c'est que ça? La quête, cette quête-là qui a été mise à jour. On rentre dans ce port. Voilà, on a eu notre upgrade. Nouveau papier, voyons voir. Rien de plus. Alors, qu'est-ce que j'ai comme job ici? Alors, deliver goods à Horta. Ça, Horta, c'est pas loin. On peut le faire. Elle allait à Cape Town. Je peux jeter un œil. Juste voir. Faire un peu le plein. Et après, en termes d'équipage, rien de plus. Alors, par contre, ici, on a encore des upgrades à faire. Donc, ça, c'était pas en train d'être upgradé. On a la qualité ici hein, du truc. On est à 1.6. Donc il faut que j'augmente. Ouais, la plupart de mes compartiments au niveau 2 en fait pour augmenter le. Après, combien est-ce que je dois. D'accord, ça c'est pour reprendre le bateau de base qu'on avait. Il faut 7800 pour aller à celui-là. Mais j'ai pas mal de trucs de niveau 2 à faire avant. Même j'ai celui-là en intermédiaire à avoir en premier pour 5000. Mais il me faut Surgical Kit. Pour l'avoir, il me faut quoi? Il faut la compétence Sick Bay. D'accord. Ensuite, il nous faut ça, c'est quoi? Caboose, d'accord. Et celui-là, je l'ai déjà. Donc, on va l'augmenter au niveau 2. Ok. Et on va faire notre mission. Délivrer
les cargos. Ok, et du coup le rose, c'est sur cette route là qu'il était. Donc c'est parfait. Donc, on va y faire un saut. À peine 11 jours. Ah bah tiens, c'est la première fois que j'y vais en direct comme ça. Alors il y a des rats. On a 90% de chance de tuer les rats. Ou alors leur donner du poison. Ou ouais, on va essayer de les tuer. Super, on a réussi à les tuer. Et toujours pas de... Ah! Alors, un de nos hommes qui est très content... Ok, il nous porte un toast en fait, donc ça nous augmente un petit peu le prestige. Et pourquoi pas. Par contre, pas de nouvelles du bateau hein, sur la route. Intéressant. Deliver goose to Cape Town, je peux pas le faire. Et a priori, j'ai rien de nouveau à faire par ici. On va falloir voir un petit peu quelle va être notre prochaine stratégie en termes de chasse à la baleine. On peut peut-être repartir vers le sud. Si on regarde... Ouais, ah, il y avait le truc de Cape Town par ici. Et... Ah oui, non, on peut retourner à Nantucket parce qu'on a dû déposer du coup nos trucs. Ah voilà, ça y est. Ok, superbe. Donc on peut retourner à Nantucket pour rendre ça. J'ai un membre d'équipage qui est tombé amoureux de moi. Donc non merci a priori. L'humilier devant d'autres hommes, non, ce serait pas très sympa. Donc non merci, juste perte de morale, c'est pas grave. Donc ouais, si on veut pouvoir redescendre par ici, je pense qu'on est au mois de juin. On est en avril, avril, mai, juin, le temps de descendre, ce sera parfait. Je vais juste rendre ma quête... Voilà. On avait déjà le rose, donc on va repartir tout de suite. Je pense qu'on a suffisamment de ressources pour partir au sud comme ça. On va voir, c'est à quelle distance? 39 jours. On a combien nous? 144, 217, 129. Et... Ça devrait être bon. Puis après, on peut du coup faire ça. Redescendre vers les Sperm Wells, remonter à Honolulu, je pense. On va faire ça. Parti. Mon dieu, il y avait un bateau pirate. Ah merde. Bon, on va essayer à nouveau de le sauver. Superbe. Alors je veux juste comprendre pourquoi le mec qui est là n'a pas d'XP. Il a d'XP. Sailing, il a 7. Ah tiens, d'ailleurs toi je peux te donner des compétences. Alors c'était quoi la compétence pour Caboose? Allez, on va aller vers Cook avec lui. Ça réduit un petit peu la consommation de nourriture. Ah merde. Ah d'accord, ça c'est les... Ok, on va essayer d'utiliser ça avec notre harpon. Merde, ça a été inutile. Et le bateau coule. Bon bah on a réussi notre mission au moins du coup. Le bateau a coulé. C'était le bateau qu'on cherchait en fait. Est-ce qu'on pourrait aller faire ça? Probablement que oui, mais j'ai peur de ne pas avoir encore le combat nécessaire pour pouvoir les affronter. Alors qu'est-ce qu'on a par ici? On n'a pas de job. En termes de ressources, je pense qu'on va essayer d'en avoir suffisamment pour aller jusqu'à... Pour aller jusqu'à Honolulu maintenant. Et sur la route... Faire la petite mission pour la lance. Viens voir, on va essayer d'aller là déjà. C'est marrant comment c'est pas la carte du monde entier en fait. Ah,
On a trouvé quelque chose à la distance. Donc, rencontre avec l'ennemi. Alors, qu'est-ce que ça va être comme ennemi? Voyons voir. Alors, moi, je suis obligé de jouer. On va mettre Louis et on va mettre Gabriel. Je pense que ce sera le mieux. Wow! 83, légendaire. Bon, il n'y a pas de jeune ni de naissant. Et apparemment, il a l'air d'être en train de plonger. Voyons voir. Yes! On peut faire ça. Du coup, ça va l'empêcher de plonger, je pense. Ouais, ça devrait l'empêcher de plonger, à mon avis. Yes! Superbe. Nickel. Ok, encore plus de dégâts. Elle va essayer de plonger à nouveau. On va encore la fasten. De toute façon, putain, on va la défoncer en fait. Oh, inquieto doux. Ah, d'accord. Elle a réussi à casser le truc et à s'immerger a priori. Apparemment, elle fait encore un truc sur elle. Moi, je peux pas l'attaquer. On va essayer de se protéger à nous, tiens. Ah non, mais t'étais déjà immergé en fait. Alors j'ai pas perdu de point de vie. Voyons voir. Ok, là je suis en train d'être attaqué. Et je peux pas attaquer non plus. Voyons voir, peut-être on va essayer de se protéger à nous pour voir. Ouh, moins 16, waouh, d'accord. Donc normalement elle devrait remonter à ce tour-ci. Bon, moins 16. Si elle fait 16, je peux supporter une deuxième attaque. Mais on va quand même se mettre en mode soin pour voir si on peut... Bon, déjà, on va essayer de faire ça, effectivement. Et si elle nous rebalance 16... Wow! D'accord. Alors, ouais, sauf que je vais pas pouvoir attaquer à ce tour-ci. Oh, merde. Oh, fuck, je vais en avoir un qui va mourir. Oh, putain, en plus, c'est lui. Fuck. Oui, il va falloir que j'en embauche un autre du coup. Bon, est-ce que Jace peut... Yes, waouh. Mon dieu. Ok, bon, bah 48, nickel. Voilà, comme ça je suis à 0 pile poil. Bon bah Louis, va falloir que j'en embauche un autre, dommage. Pas mal d'XP pour le reste. Et on a récupéré la spear en plus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de revendre ça à un endroit qui vaut le coup. Peut-être qu'on va même remonter jusqu'à Honolulu maintenant, parce que c'est là-bas que les prix sont les meilleurs. Ouais. Carrément, c'est marrant qu'il n'y ait pas de trucs dans cette zone-là. Je pense qu'on va remonter jusqu'à Honolulu pour revendre tout ça et embaucher quelqu'un. À 66 jours, normalement, on a ce qu'il faut en termes de... Ah oui, c'était là pour le journal, j'avais une mission pour lui à faire en fait. Tant pis. Alors effectivement, on a personne du coup en haut, on va s'y mettre nous. Après ouais, on pourrait aller chasser du coup, mais bon, vu que j'ai personne... Elle a un peu de prestige en plus. Je sais pas si j'aurai le temps du coup, parce qu'on est juillet. Ça finit en septembre. Si, on aura peut-être le temps de faire un aller-retour. Ok. En plus, on a notre technologie comme ça à finir. Bon, allez. On va aller réembaucher un harponnier. Bon, au moins, on a pas mal de thunes. Ok, donc. On a comme job ici. Amener des goûts d'Aorta ou... Ah oui, non, mais pardon. Hop, et hop, super. Et je vais vouloir, voilà, un bon chasseur. Un bon harponneur, plutôt. Donc, on va prendre lui, niveau 4. Ok. Et... Viens voir. On est à quoi ici? On est bon. On a d'autres upgrades à faire, j'imagine. On a déjà tout au niveau 2, quasiment. Ça, c'est en train d'être upgradé. Alors, ce truc-là, pourquoi je peux pas le faire encore? Parce que, ah oui, parce que j'ai pas Carbouze. Et celui-là, c'est parce que j'ai pas celui-là. Ce qu'il faudra voir que je peux pas le prendre avec moi. Ah, mais en fait, si, Trywork, on pourra le rechercher, en fait. Hein.
Il nous faudra aussi ce truc là. D'accord, bon, ok. Je vais m'arrêter là pour cet épisode, je dois y aller là. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour la continuation de notre petite chasse à la banane et de nos diverses quêtes diverses et variées. Voilà. Merci à tous, excellente journée et à bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous!